Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre Fafa, votre émission préférée. Votre humble serviteur que je suis, toujours à son poste, Serge Defalé. Là, toujours en compagnie de la charmante, la célébrissime, cette fois-ci avec des cheveux de couleur rouge, Chola, Chola, yes. Chola. Bonjour Defalé. Bonjour Chola. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pétri de talent qui fait partie d'un groupe, qui évolue depuis un certain nombre de temps dans la sphère zougloutique. Ils ont dit que c'est leur héritage et ils ont commencé leur carrière tout d'abord en étant un groupe qui jouait dans plusieurs endroits, plusieurs lieux. Ils se sont fait connaître à travers cela, à travers le pays. Et à un moment donné, ils ont sorti un album qui fut un tube interplanétaire et que jusqu'à présent, cet album continue encore de tourner. Il fait partie de ce groupe. Je dirais aujourd'hui, il en est le lead vocal. Il est très mélodieux, très talentueux. Dames et messieurs, nous recevons ici Willy. Willy du groupe Zouglou Makers. Wow. Bienvenue. Bienvenue Willy. Merci. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur ce plateau. Mais moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Waouh. Comment va l'artiste? Je vais bien. Alors. Non, mais ça se voit, hein, défaler la question de se poser. Oui. Quand tu prends Willy avant et Willy maintenant, c'est deux poids deux mesures, hein, maintenant. Ouais. Écoute. Vous êtes trop gros. Ah bah, il est dodu, hein. Ça va. Dieu merci. Alors, comment Willy vient la musique? Déjà, à l'état civil, hein, faut qu'il oui, à l'état civil, oui. Willy, moi, à l'état civil, c'est Willy Gavara. Willy Gavara. Gavara. C'est quel secteur? Ah, c'est ton prénom? Gavara, c'est mon nom. De famille? Ouais, mon prénom, c'est Willy. Ok. Willy Gavara. Willy Gavara, c'est quel côté de la Côte d'Ivoire? Je suis Dida de Divo. Ah, d'accord. Dida. Je l'ai dit là aussi, elle est non, elle est chic, non, Gavara, mais Che Guevara. Voilà. Ah bah ouais. Gavara. Okay. Ah, ok. D'accord. Donc, originaire de Dida. Okay. Mais toi, tu as grandi là-bas un peu ou bien? Non, même pas. Même pas. Même pas. Mais tu es né où, Abidjan? Je suis né à Soubré. D'accord. Ouais. Mais c'est Dida de Divo, c'est le tout à Soubré. Puisque maman et papa étaient en service à Soubré. Donc, service. Ah, d'accord. Okay. Okay, d'accord. Donc tu grandis un peu aussi à Soubré ou bien? Oui, j'ai grandi aussi à Soubré. Ouais. D'accord. Alors, mais comment Willy vient la musique? Ça vient d'où la passion? Ben écoute, il faut dire que déjà, je suis né d'un père musicien. D'accord. Donc, j'ai la fibre depuis ma naissance. Depuis Attends, tout petit. Un père musicien, c'est-à-dire il joue là. Mon père était musicien, mon père était bassiste. Bassiste, ah, d'accord. Mon père était bassiste. D'ailleurs, il a été l'un des premiers bassistes du groupe Ouya. Ouya, ok. Donc, voilà. Et donc. Et il s'appelait comment? Enfin, il s'appelle comment? Bilikos. Il est toujours de ce monde? Non, il n'est plus de ce monde. Et donc, j'ai la fibre musicale depuis tout petit. Ouais, tu as ça dans le sang, hein. Voilà. Ouais. Depuis tout petit, je m'intéressais déjà à la musique. Mm-hmm. Et tout. Voilà, j'ai appris à jouer de la guitare avec mon père, à jouer de la basse avec mon père. Et l'amour même pour la musique, je pense que ça vient de mon père. Ouais. Voilà. D'accord. Et comment tu rencontres justement les autres membres du groupe Zouglou Makers? Comment ça débute? Ben écoute, il faut dire que moi je ne faisais pas du Zouglou déjà. Tu faisais quoi? Moi j'ai fait du rap, j'ai fait du reggae. Adama. Ouais, après j'ai fait. Bon, laissez-vous un Tikanja. Hein. Non. Après j'ai fait un peu de coupé décalé, j'ai été choriste d'Arafat. Ouais. Willy Day. Et puis comment tu deviens Zouglou maintenant? Bon, je faisais le piano bar. Voilà, j'étais chanteur de piano bar et j'interprétais beaucoup de classiques ivoiriens et tout. Mm-hmm. Et donc, les endroits où je me produisais, c'était des endroits bondés de fanatiques de Zouglou. Alors là, j'ai compris qu'il fallait que je me mette au Zouglou. Mm-hmm. Et bien évidemment, le Zouglou qui est aussi l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est aussi un rythme qui a bercé mon enfance aussi. Donc, mm-hmm. Je pense que ça a été facile. Voilà pourquoi ça a été facile pour moi de mettre au Zouglou. Et mm-hmm. puis bon,
Le groupe Zouglou Makers était un groupe que j'observais depuis longtemps, surtout avec Jean Roger. C'est quelqu'un, ouais. Que j'ai toujours estimé et apprécié de loin. Mm-hmm. Et donc, un matin, j'étais là et l'occasion s'est présentée. On m'a appelé pour me dire. Qui t'a appelé? Toi-même, tu es allé te livrer ou bien? Non, je ne suis pas allé me livrer. Je ne suis pas allé me livrer. Le groupe Zouglou Makers m'a appelé pour me dire que voilà, ils avaient besoin de moi, de mes services. Jean-Roger n'était pas là, il était allé à une tournée. En tant que chanteur, hein? Oui, en tant que chanteur, il était allé à une tournée et tout, donc ils m'ont fait appel. Voilà, on pense que tu peux jouer à cette soirée-là avec nous. Mm-hmm. C'est comme ça, j'arrive et je fais le test. Et puis bon, quand Jean-Roger arrive, il me dit, bah, écoute Willy, je te laisse à côté de moi, voilà, on te retient. Et puis bon, voilà. C'est comme ça, l'aventure commence avec le groupe. L'aventure commence réellement avec le groupe comme ça. C'est-à-dire en 2012. 2012, donc tu pars, genre, pour un remplacement. Ouais. Et il se trouve que, bon, genre, étant absent, c'est vrai que tu maîtrises la composition de plusieurs musiques du groupe, vu que tu es en piano bar. Donc, cela te permet de te rapprocher du groupe. Et là, après cette soirée, tu intègres le groupe comme ça. Après cette soirée, j'intègre le groupe. Voilà, parce que Jean-Roger et les autres membres du groupe ont trouvé que j'avais ta place. J'avais ma place. Mm-hmm. Et donc voilà. Alors, de cette intégration, tu occupais quel poste? On va dire quoi? Répondeur, tu étais répondeur. Accompagnateur des leads, co-lead vocal ou. Oui, non, non, ouais. Accompagnateur. Répondeur, parce que. On parle des groupes en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui chante et puis les autres répondent. Non, mais donc, est-ce que tu faisais partie des répondeurs? Non, j'étais pas répondeur. Il n'est pas du nom de quelqu'un. J'étais deuxième lead vocal. Okay. Et j'apprenais auprès de Jean-Roger. Donc, lead vocal, là, il y a son deuxième. Oui, puisqu'il était le lead vocal du groupe. D'accord. Et moi, je suis venu, je ne suis pas venu en tant que spectateur, je suis là, j'ai été là en tant que chanteur aussi. D'accord. Donc, bien évidemment, le premier lead vocal, il est là. Moi, j'étais le second lead vocal. Non, l'accompagnateur. Non, bon, pas accompagnateur. Bon, si tu veux, accompagnateur, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors, parle-nous de tes rapports avec Jean-Roger dans le groupe. Jean-Roger, au-delà de cette relation de chef de groupe, au-delà de cette relation de travail qui existait entre nous, il avait aussi une relation particulière avec chacun de nous. Bien sûr. Voilà. Moi, personnellement, c'était pour moi un grand frère, c'était un conseiller, c'était quelqu'un à qui je voulais ressembler à tout le coup, tu vois, surtout dans la musique, quoi, tu vois. C'était pour moi un exemple. Un exemple. Okay. Et donc, voilà, on se voyait pratiquement tous les jours. Mm-hmm. En plus, on habitait pratiquement le même quartier, donc on se voyait tout le temps. Quand on part en voyage, on reste ensemble. On se voyait tout le temps. C'est quelqu'un auprès de qui je prenais beaucoup conseil sur beaucoup de choses dans la vie même. Au niveau des femmes également, parce que bon, à son âme, Jean-Roger, c'est un grand frère que j'affectionnais particulièrement aussi. Mais bon, il avait aussi la réputation d'être un homme à femme, hein, parce que bon, on sait que Jean-Roger, dans non, le temps... Non, il n'était pas un homme à femme. Si, j'en viens, justement. JR. Non, il n'était pas un homme à femme, oui, JR, attends, dans son temps, arrête. Willy, on s'est croisés dans beaucoup d'endroits. JR, quand même, il était avec une fille, enfin une dame. Il a laissé la dame en question pour aller se marier avec une femme soi-disant qui aurait de l'argent. D'après les informations que j'avais dans le temps, hein. Voilà. C'est faux. Ouais. Ça, tu es en train de parler de sa vie. On va pas salir. On va pas salir la mémoire de quelqu'un qui est parti. Non, on n'est pas en train de salir. C'est ouf. Elle veut ressasser sa vie. Sa vie. Un peu comme c'était proche de lui, de la vie de l'homme. Voilà. Écoute. Non, je veux savoir simplement, Willy, est-ce que ce que les gens disaient, c'était vrai ou faux? Qu'il avait laissé la fille, enfin, je ne connais pas son nom. Quelle fille? Elle était grande, de taille claire, cheveux courts. Il était avec elle. Et après, on dit qu'il avait laissé pour aller se marier avec une femme qui a de l'argent. Écoute, tu as un ex, non? Mais ça dépend de la façon dont c'est laissé. Tu as un ex, non? Ben oui. Hein? Ben oui. Voilà. Donc. Mais mon ex et moi, on n'a pas galéré ensemble. Alors, pas du tout, moi. Je le connais même pas. Donc, tu es en train de me dire qu'il a galéré avec quelqu'un. Voilà. On dirait que c'est fait pour lui, justement. Non, moi, je ne suis pas au courant de ça. Ça peut être, tu ne veux pas parler. Je ne suis pas au courant de ça. Ça peut être, je n'ai plus ce nom-là qu'on ne va pas pirer. Si on allait pirer des. Jean-Roger, il s'est marié. Il était heureux. Avant son mariage avec qui? La dernière. Avant son mariage. Il avait une vie avant son mariage. Il avait. Voilà. Il a laissé pour se marier ou. Ça s'est terminé comment? Ben, je ne sais pas. Je pense bien qu'il était avec quelqu'un, ça s'est terminé entre eux. Mm-hmm. Et puis après, il a rencontré une autre personne qui l'a marié. Voilà. Donc, devant Dieu, tu as dit la vérité, quoi. Oui, j'ai dit la vérité. Dieu te voit. Chola, arrête ça. Non, progressons. Alors, paix à son âme. Au-delà de ça, Jean-Roger, c'est quand même un contributeur à beaucoup de musiques
qui ont marché. Ouais. Je parle du temps avant Zouglou Makers. Mm-hmm. À l'époque, il était encore, je dirais, un homme de studio. Un requin de studio comme chez David et tout ça. Ouais. Il a même participé au morceau Sagacité de Doug Saga, le premier titre. Ah bon, hein? Oui. Ça, c'est la voix des gens. C'est la voix des gens. C'est pas la partie de moi. Il y a une danse qui a été créée là, des calicoupés. D'accord. Voilà, ça, c'est la voix de Jean Roger. Parce que la chanson a été faite à Paris. Donc, tu vois, c'était pas un homme à femme, c'était un homme à chant. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et il y a plusieurs titres à succès, même Sommet de l'Himalaya. Ouais. Gonzaga, toujours présent. C'est le mec, vraiment, c'était Metro Monde. Boulevard DJ. Voilà, Boulevard DJ. Beaucoup de titres. Alors, quand tu vois tout ça, cette bibliothèque est partie. À quoi ça te fait penser? Parce que c'était une bibliothèque en fait, ouais. Musicale. Ouais, moi personnellement je l'appelais El Biblio. Ok. Ah, ben voilà. Je l'appelais El Biblio, Jean Roger. Il y a certaines personnes qui le connaissaient juste en tant que chanteur du groupe The Glow Makers. Mm-hmm. Bien sûr. Et ces personnes-là, je pense que ces personnes-là pourraient garder de lui le souvenir du bon chanteur. Juste du bon chanteur, du bon lead vocal, du bon leader de groupe et tout. Mm-hmm. Mais pour ceux qui l'ont connu sous plusieurs facettes, comme toi, tu l'as ouais, connu bien sûr. Moi, je l'ai connu sous toutes ces facettes-là. Ouais, facettes. La facette du requin de studio. Oui. Mm-hmm. La facette du choriste sur scène. La facette de la doublure. Ouais, la doublure. Et du choriste même en studio encore. En studio. Avec quatre voix différentes. Il y avait de quoi l'appeler. Le mec était énorme. Non, il faut dire les vérités. Et donc, je pense que c'est une énorme perte pour la culture ivoirienne. C'est bien une énorme sûr, perte. Et voilà, on ne finira jamais de le pleurer. Oui, quoi. C'était un artiste multidimensionnel, ouais, je le dirais. Ouais. Parce que moi, comme il le dit, je le connais sur plusieurs facettes. Et parler de Jean Roger, c'est comme si tu parlais d'une rivière sans fond. Son mot était lourd, hein. Oui, parce qu'il avait ce truc-là. Il était aussi un bon leader, il était bon chef d'orchestre. Pour tous les musiciens qui ont travaillé avec lui, avec des artistes et tout, ils savent que c'est quelqu'un qui luttait toujours pour que les musiciens soient bien traités. Bien sûr. Pour que les musiciens soient bien payés. Alors, je ne dirai pas de nom. Hein. Mm-hmm. Je sais que tu as beaucoup pris ça de Jean Roger. Je te sais aussi de quelqu'un qui participe beaucoup aussi avec succès en ce moment, de beaucoup de titres qui tournent en ce moment, mais je ne dirai pas de nom. Faut dire, c'est vrai, il n'est pas les sons. Non, bon, dis-moi, explique-moi, il a dit. Non, on peut pas dire. Non. Après, c'est le succès des gens, tu vois. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Mais après, moi, c'est okay. Le succès donc, public, la sabour est à nous. Alors, tous. Donc, je le tiens de oui, mon formateur, je le tiens de voilà. Jean Roger. Mmh. Jean Roger faisait tout ça, mais jamais il s'est levé pour en parler. Ouais. Jamais il s'en est. S'en est orgueilli. Ouais, jamais. Voilà. Et je sais que tu fais ça. On le fait pour l'amour de la musique. Ok. Les patrons, ça te dit? Les patrons. Oui. C'est nos grands frères. Et qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu n'as jamais composé pour eux? Non. Jamais. Non, jamais. D'accord. Cherche pas, tu peux même pas trouver la personne. Je n'ai jamais composé pour eux. Tu la cherches. Bénédiction. Non, il compose bien. C'est lui qui compose pour les gens. Et Willy Dombo. Lui-même, il doit composer son pour moi-même. C'est lui-même qui compose. Willy Dombo. Non. C'est trop loin. Chola, c'est pas là-bas, faut laisser. Alors, depuis le décès de Jean Roger, on ne sent plus le groupe Zouglou Makers. Bah ouais. Peut-être que notre passé est fini. Ah, apparemment, c'est fini. C'est Jean Roger qui peut guérir. Non, peut-être c'est un pape. Même Dodona, même, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Même Haruna. Haruna. On ne sent plus. Hein? Je ne sais pas ce exactement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On a l'impression que le groupe Zouglou Makers n'existe plus. Chola, tu viens d'employer une expression. Impression. Justement, c'est l'impression. C'est juste une impression. Vous êtes là vraiment? C'est juste une impression. Tu sais, le vieux est parti. Mmh. Et les séparations sont toujours difficiles. Bien sûr. Mmh. Les séparations sont toujours difficiles. Et pour ce qu'il représentait pour nous, c'est. Tu vois, on ne pouvait pas, juste après son décès, continuer comme si de rien n'était. C'est pas possible. On ne pouvait pas le faire. Donc, bien évidemment, on a observé la période de deuil. Évidemment. Okay. Des un an. D'accord. Voilà. Et donc, pendant ces un an-là, on ne se donnait pas véritablement un spectacle partout. Mais pendant ces un an, nous sommes rentrés en studio pour essayer de terminer notre album qui avait été déjà entamé. En coup, ouais, je me souviens qu'il était voilà, encore avec Jean Roger, puisque nous étions en train de finir notre album et puis il a plu à Dieu de le rappeler. Mm-hmm. Et donc, si tu ne nous entends pas, c'est parce que nous sommes dans le bois sacré. Okay. En train de travailler. Ouais. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui, vu que Jean-Roger n'est plus là, lui qui était le lead? Comment vous débrouillez? La tête n'est pas là. Comment l'acteur se comporte? Quel est le lead?
Ben, tout naturellement, moi qui étais le second lead, voilà, je passe lead vocal, du coup. Ah, il est passé, en fait, il est passé de répondeur à lead vocal principal. C'est pas répondeur, pas répondeur, c'est pas répondeur, hein. Non, sérieusement. Accompagnateur? Non, pas accompagnateur. Voilà. Peut-être que tu ne nous as jamais vus en spectacle. Qui t'a dit? Mais si tu nous as vus en spectacle, tu n'as pas t'asseoir sur ce plateau pour dire que je suis répondeur. Je m'assois, mais dis que tu étais l'accompagnateur. Ok. Maintenant, tu as évolué. Jean-Roger n'est plus là. Tu as pris sa place. Est-ce que quelque part... Non, je n'ai pas pris sa place. Je n'ai pas pris sa place. Jean-Roger, il est... Non, non, Jean-Roger, il est irremplaçable. D'accord. Voilà, il est irremplaçable. Quand je suis là, tu penses qu'il voulait prendre un peu la place? Oui, parce que j'ai l'impression qu'il attendait ça. Comment ça? En fait, de passer d'accompagnateur à lui. Elle est dans quoi? Elle est dans quoi? Parce que bon, tu sais, on est en Afrique, hein, on voit beaucoup de choses. C'est bien beau de venir chez nous pour dire, bon, c'était le lead, un bon chef d'orchestre, mais est-ce que dans le fond, toi-même, tu n'attendais pas en sous-bassement que Jean-Roger ne soit plus en sous-mêlée pour... Tu vois là? Non, même pas. Donc, aujourd'hui, là, c'est toi dans les clips, c'est toi à voir. Mais dans les clips, quand je regarde... Mais dans les clips, tu me voyais déjà, non? Non, je te vois en arrière. Mais c'était Jean-Roger. T'es sûr que c'est... Tu me vois en arrière? Je t'ai dit quelque chose. Chola, je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Défalait lui-même, il le sait. Je t'ai dit quelque chose. Pour ceux qui ont véritablement connu Jean-Roger, ils savent que c'est quelqu'un, peu importe ce qu'il faisait, il aimait rester en arrière-plan. C'est toujours moi-même qui mettais devant. Bon, sinon, c'est toujours moi qui mettais devant. Vos clips là, c'est que c'est son comportement qui n'est pas bon. Parce que Jean-Roger voulait rester en arrière, mais bizarrement, c'est Jean-Roger qui mettait devant. Moi, je te vois dans les clips, mais tu étais toujours en fond sonore. Voilà. Oui, normal, il y a le grand frère là. C'est lui qu'on te voit dans le clip, mais tu es un peu au moins. C'est comme ça où il voyait Willy. Mais maintenant, je suppose que comme Jean-Roger n'est plus là, mais c'est toi qu'on voit. En même temps, si tu sais quoi, les clips, ça dépend de beaucoup de choses. On peut faire une chanson, ok? Une chanson sur laquelle Jean-Roger, il est en lead du début à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chanson sur laquelle c'est lui, c'est que lui qui chante du début jusqu'à la fin. Okay. C'est pas moi qui ai venu me mettre devant pour venir faire un clip. C'est que tu me connais pas. Ou bien, je suis derrière, c'est lui qui va mimer la chanson. Quand je suis là, toi, tu allais faire quoi? Tu allais te mettre où il me met. Bien évidemment, il y a aussi des chansons. Il y a aussi des chansons sur lesquelles on chante à deux. Chacun vient pour faire ses parties. C'est mais ça, mais bizarrement, même c'est vous deux me voyez le plus souvent. Mais les autres membres du groupe, là, même là. Je ne sais pas, il y a celui qui a guitare. Comment il s'appelle? Fanny le magicien. Fanny le magicien. Bon, lui-même, quand on le voit, on passe caméra, la passe rapidement sur lui. Je ne supportais pas, en fait. Pourquoi c'était comme ça dans ce groupe? J'ai l'impression que c'était toi et Jean-Roger qu'on mettait en avant, surtout Jean-Roger. Bon, aujourd'hui, Jean-Roger n'est plus de ce monde, malheureusement. Je suppose que c'est une belle aubaine pour toi. Tu vas t'affirmer parce que le lead n'est plus là. De répondeur, on passe à lead principal. Ce n'est pas une question d'aubaine. Moi, je ne prends pas les choses comme ça. Tu prends comment? Voilà. J'ai servi auprès du grand frère toutes ces années-là. J'ai appris auprès de lui. Il est parti malheureusement. Aujourd'hui, son départ t'a fait mal. Il m'a laissé un bagage qui est costaud. Il faudrait que j'assume. Et je pense que si aujourd'hui je passe devant et que je fais bien les choses, lui-même de là où il est là, il en sera fier. Mais attends, okay, tu penses à toi, il a laissé le bagage. Et les autres là? Tu n'es pas le seul dans le groupe. Non, les autres ne savent pas chanter. C'est à tout le groupe qu'il a laissé le bagage. Mais toi, je suis le chanteur. Les autres ne savent pas chanter. Ils savent chanter, mais c'est des musiciens. Le rôle, c'est ça. C'est des musiciens. Je dis la tu sais quoi, je t'explique. Chacun joue son rôle dans le groupe. Hein. Chacun joue son rôle dans le groupe. Le guitariste, il joue son rôle. Le pianiste, joue son rôle. Mais il paraît que c'est eux qui composent. C'est eux qui composent les musiques. Il paraît que Jean-Roger touchait plus de. Enfin, la plupart de. Enfin, dans vos cachets, il avait le plus de pourcentage par rapport à vous. Non, tu es mal informé. Tu es sûr. Il n'y a pas une bafouille. Toi, tu es mal informé. De cachet de vous. Jamais. Toi, tu es mal informé. C'est pas Jean-Roger. Sois les papos. Jean-Roger, de sortir les papos. Non, en fait, comme Jean-Roger n'est plus. C'est pour ça qu'on s'abstient. Non, mais elle peut sortir les papos. Donc, on salit sa mémoire. Tu sais quoi? Défalé. Tu sais, c'est bien. Merci infiniment de m'avoir posé cette question. Ah, je vais le dire. Non, lui, j'attendais ça. Je vais le dire parce que certainement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, exactement, mais voilà, qui ne le disent pas. Okay. Vous savez, dans ce groupe-là, pourquoi est-ce que ce groupe-là a tenu toutes ces années et continue de tenir? C'est parce que on a écarté tout ce qui peut créer la discorde entre nous. C'est-à-dire. On le dit communément en Côte d'Ivoire, ah, ce qui divise les gens, c'est l'argent et la femme. Nous, on n'a pas ce problème-là. Jean-Roger, que ce soit Jean-Roger, Fanny le magicien, Samy Asne, Petit Caillou, etc., tout le monde
et même moi qui Michael suis... Brachet? Oui, Michael Brachet, bah, qui n'est plus dans le groupe. Il n'est plus dans le groupe. Vous l'avez chassé? On l'a pas chassé, on l'a pas chassé. Quelle horreur. On l'a pas chassé. Mais bon, Mike quitte le groupe. Donc, même moi. Justement. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Même moi, qui suis le dernier venu dans le groupe, je touchais, ou du moins je touche le même cachet que tous les autres membres. Et Jean-Roger, il a toujours lutté pour ça. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que si lui doit toucher 10 francs, je touche 10 francs. Il doit toucher 5 francs, je touche 5 francs. Les autres, pareil. C'est l'esprit. À pas égal. À pas égal. C'est l'esprit de groupe. Et on a toujours voulu avancer comme ça. Okay. Si voilà. Les cachets. C'est parce que moi, on m'a dit. Hein. Ah bon? Oui. Mmh. On dit Jean-Roger prenait le plus lourd cachet et puis bon, il donnait des miettes. C'est pourquoi je t'ai dit que. Voilà pourquoi c'est pourquoi je t'ai dit que toi, tu es mal informé. Il n'y a plus de ce monde. Je préfère ne pas m'étaler. C'est pourquoi je dis que tu es mal informé. C'est ce que tu as dit. Voilà. Donc, pourquoi Mike, le Babatier quitte le groupe? C'est un peu d'argent. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il a. Il a ses raisons. Il a quitté le groupe, je crois. D'accord, ça fait maintenant 4 ans, 4 ou 5 ans, je ne sais plus moi. Pour rien comme ça, c'est là qu'il travaille plus avec vous. Non, on ne sait pas qu'il ne travaille plus avec nous. Il allait rester en France pour passer à autre chose. C'est parce que justement, voilà. Il y avait des bémols dans le groupe. Non, il n'y avait pas de bémols. Il n'y avait pas de bémol. Non, il n'y a pas de bémol. Appelez-le. Peut-être que lui, il a des trucs, mais je pense pas. Il n'y a pas de bémol. Il s'est levé un matin, il est parti en Europe. Je pense qu'il allait passer à autre chose. Vous savez, nous sommes tous des adultes. OK? Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, là, on ne va pas empêcher quelqu'un de partir. Mm-hmm. Chacun a sa vie. Il y a la vie du groupe, mais après, chacun a sa famille, chacun a ses trucs. Tu comprends? Mm-hmm. Si moi, aujourd'hui, je dis que je décide de partir, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, oui, non, faut rester. Mais toi, tu as l'intention de rester? Oui, je suis là. Ah, mais après, je te comprends aussi. Hein. Place que tu as tant convoité, tu l'as maintenant, tu pars pas. Je suis là. Ouais. Place convoité, même étonné. Ah. Quand tu regardes aujourd'hui la situation, est-ce que tu penses que le groupe Zouglo Makers peut renaître de ses cendres sans Jean-Roger? Pour moi, ou du moins pour nous, mm-hmm. Jean-Roger est toujours là. Il n'est pas. C'est juste physiquement qu'il n'est pas là. D'accord. Et donc, l'esprit demeure. Et je pense que je ne parlerai pas de renaissance, mais on va continuer. Vous allez continuer. Ouais. Okay, mais est-ce que lors de ces obsèques, vous avez eu quand même le soutien de pas mal de personnes dans le milieu du showbiz, mm-hmm. en l'occurrence qui étaient vos parrains et tout ça. Ces personnes, même surtout dans le milieu du Zouglou, parce que vous avez quand même un moment des producteurs et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu des soutiens venant d'eux? Bien évidemment. Pendant les obsèques, on a reçu beaucoup de soutien. D'accord. On a reçu beaucoup de soutien. De la part de toute la grande famille Zouglou. Toute la grande famille Zouglou. Tous les artistes Zouglou vous ont soutenu. Bah oui, bon, enfin, la majorité. La majorité. Ceux qui pouvaient être là étaient là. Ceux qui pouvaient passer à la maison sont passés. Mmh. Et voilà, on a eu le soutien de toute la grande famille. On aurait pu entendre qu'il y en a certains qui ne sont pas quand même passés, des personnes qui étaient assez proches. Hein, voilà. Qui ne vous ont pas aidé un tout petit peu voilà. Pour les obsèques, même si à la vérité, on n'avait pas besoin de. Voilà, Jean-Roger n'était pas misérable, hein, voilà. Donc, voilà. Non, mais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je, à ma connaissance, toute la grande famille Zouglou nous a apporté. Et tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il a été enterré dignement. D'accord. Mais maintenant, moi, je veux savoir, quand Jean-Roger était là, vous étiez combien dans le groupe Zouglou Makers? 7 sur scène. 7 sur scène. Ouais, 7 sur scène. D'accord. Et maintenant qu'il est parti, vous êtes combien? Logiquement, 6, hein? Ouais, mais pour moi, je dis qu'on est toujours 7. Parce que pour moi, Jean-Roger est là. Voilà. Quand je monte sur scène, je sens sa présence. D'accord. Voilà. Mais en même temps, d'après ce que moi j'ai entendu dire, hein, il paraît qu'il y a deux qui ont... entendu quoi? Ah, on dit qu'il y a deux qui ont pas un. Hein. Il y a deux qui ont pas un. Hey, cela. Ils m'ont dit qu'il y a deux parmi moi, vous. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a deux qui sont calés en bengue. Voilà, ils ont pas. Ils se sont retrouvés en bengue. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, mais ils sont en bengue. Mais ils ont pas. Ils sont allés en voyage comme tout le monde. Non, on dit qu'ils ont calé. Ils ont pas. Ils sont partis définitivement. Ils ont quitté Zouglou Makers. Ils ont plié le bagage de la côte. Tant que tu prends tes sons là. Tu me connais pas. Les groupes là, beaucoup quand ils sont en bengue là, il y a beaucoup, ils pendent dedans. Nous on l'a vu à l'époque. Mais tu sais que. C'est pas notre premier bengue. On est tout en bengue. Mes propres disent, je vais dire le nom. Non, mais c'est vrai que c'est pas notre premier bengue. Mais on va dire qu'après, il y a eu quand même un grand malheur qui vous a frappé. Peut-être même qu'on peut être dans un groupe où on regarde, on dit, on n'est plus là, tu vois. Elle s'est pas fui, on peut être ici, me cacher ici. On ne sait jamais. Mais il faut répondre à la question. C'est vrai qu'il y a deux qui sont partis définitivement en Europe. Il y a deux qui sont actuellement en Europe. Voilà, ils sont définitivement partis ou pas? Ça, je ne sais pas.
Ils mais, ont calé mais... ou pas? C'est des caleurs, ils ont calé ou pas? Ils sont, je t'explique, il y a deux qui sont présentement en Europe. Et ce, depuis... Vous voyez, téléspectateurs, je ne depuis, pas où. Depuis le mois d'octobre, je crois. Ok. Ouais, attends, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois, ils ont calé. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit officiellement. Ils ne l'ont pas dit officiellement. Les calés ont calé. Oh non. Les pourquoi est-ce que tu veux forcément prendre les choses comme ça? 6 mois. Ils sont restés quoi? 6 mois. 10 à la peau. Attends. On va bien parler. Normalement. Non, il y a la famille, il y a beaucoup de trucs. Non, il y a visa de un aussi. Non, mais pour eux là, ce n'est pas visa un an, on l'a donné. J'étais là pour en délivrer le visa. Oh, je... bon, je rigole, mais pour être plus sérieux, ils sont partis définitivement, c'est ça? Du groupe. Au fait, ils ne l'ont pas dit officiellement. Okay. Ils ne l'ont pas dit officiellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis octobre, on a deux membres qui sont allés en France et qui y sont depuis. Mais quand ils partaient, ils t'ont informé qu'ils partaient? Si, ils ont informé tout le monde qu'ils partaient pour certaines choses. Et vous avez donné votre autorisation? Pour des affaires de famille et tout. Non, ce n'est pas une question d'autorisation. Chez nous, il n'y a pas d'autorisation. Mais voilà, ils ont informé. On a un groupe WhatsApp. Mais pendant ce temps. On a un groupe WhatsApp dans lequel on se parle. Ils ont informé. Ah, les gars, on part à Paris. Mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient caler. Mais pendant ce temps, si le groupe a une activité, comment on fait? On joue. On les remplace. On joue. Ils étaient seuls. C'est ce qu'on fait. À vous les remplacer. Oui, on joue. On joue. On prend des musiciens pour jouer. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a 3 personnes qui ne sont plus là. Jean-Roger perd son âme. Le caillou. Mike Le Bavatier. Mike Le Bavatier. Mike avec Jacques. Non, Mike, ça fait 4 ans. Là, on parle de récemment. Chola, c'est dangereux. Gros caillou, casse petit marteau. Et puis Saint-Étienne. Voilà, donc les deux là sont partis. Ça fait déjà 3 personnes qui ne sont pas là. Donc si vous étiez 7 sur 7. Ils sont en voyage. Donc maintenant il reste 4 personnes. On va le dire comme ça, ils sont en voyage. Mais tu ne penses pas que ces personnes là sont parties parce qu'elles n'avaient pas confiance en toi? Et ces personnes là ne se disaient pas, si c'est Willy aujourd'hui qui est devenu lead vocal, ben nous ça ne nous intéresse plus de rester dans Zouglou Makers. Tu sais, Chola, moi je ne rentre pas dans les jugements. Et je pense que. Vous savez, chacun de nous a sa manière de gérer ses émotions. D'accord. Voilà. Après un décès, après une séparation, tu vois, c'est toujours difficile. Il y a des gens qui s'éclipsent, qui décident de ne pas parler aux autres. Il y a des gens qui. Donc, je pense que chacun a sa manière de gérer ses émotions. Et si c'est pour ça qu'ils sont partis, je leur concède cela. Je les comprends, tu vois. Et pour moi, peu importe leur motivation, c'est de grands garçons. Voilà. Pour ce qui est de ma part, pour ce qui est de la part de pour ce qui est de ceux qui sont là présentement, l'aventure continue. Ouais. Et comment vous gérez sur scène alors quand ils sont plus là, hein, quand il y a déjà 3 personnes qui sont plus dans le groupe et que vous n'êtes plus que 4, c'est plus le Zouglou Makers qu'on a l'habitude de voir sur scène. Est-ce que vous avez trouvé des personnes pour les remplacer? Parce que nul n'est irremplaçable, hein, on est d'accord. Ouais. Mais bon, je dirais que l'esprit demeure. L'esprit demeure et voilà. Toutefois que quelqu'un dans le groupe part en voyage, on prend quelqu'un d'autre pour le remplacer sur la scène. Et cette personne qui vient la remplacer, on lui donne, on lui communique l'esprit et tout. Donc je pense que l'esprit demeure. Zouglou Makers reste Zouglou Makers. Est-ce qu'un jour tu aspires à faire une carrière solo? Parce que bon, tout le monde quitte le navire, apparemment il va bientôt couler. Est-ce que toi, tu as ta boule de secours au cas où le navire coule? Bah attends, il faut dire la chose telle qu'elle sort, Willy. Il va bientôt couler. Pourquoi tu devais dire qu'il va couler? Jean-Roger Oli, petit Kalou Nini, petit Mato, ils sont partis. Saint-Étienne à Tangol. Bon, moi, je ne comprends pas. Il ne reste plus que Winnie et les autres. Bon, si les autres aussi désertent, mais le navire va couler. Non, il faut que l'on ait l'évidence, Chola, Winnie. Je pense que le navire ne va pas couler. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens-là. Voilà. On se bat. Où en est la pour l'instant, nous avons sorti un titre. D'accord. Ah ouais. Voilà, en hommage à Jean Auger. Le titre, c'est Mon Dernier Woyo. C'est un titre que Jean Auger lui-même, de son vivant, a chanté 1 an et demi avant son décès. Voilà. Moi, je pense que c'est dessus qu'on doit s'attarder. Pas sur les voyages de certaines personnes. Non, pas sur les gens qui sont allés caler. Il faut dire les choses proprement. Donc, on a sorti ce titre-là. Derrière, ceci en prélude. Ce titre en prélude de quoi? De l'album? Ouais, l'album. Qui a combien de titres? En préparation. On a pour coutume, nous, de sortir 12 titres. Mm-hmm. Donc, il faut s'attendre à un minimum de 10 titres. Un minimum de 10 titres. Mm-hmm. Alors, toujours dans le même style, dans le même système, avec vos tests. Oui, dans l'esprit Zouglou Makers. Voilà, l'esprit Zouglou Makers avec des tests assez, des paroles assez poignantes. Oui, et surtout que Jean Auger a participé à la conception de cet album-là. C'est vrai qu'on ne l'a pas terminé ensemble, on n'a pas eu.
la chance de terminer ensemble. Mais voilà, il avait déjà, avec lui, on était déjà avancé. Je dirais, on était déjà à 70 ou 75%. Ah ouais. Donc, il y a l'esprit de Boom Makers qui est là. Mais et les deux autres qui ont peint là, leur esprit est toujours dans le nouvel album qui arrive ou on va complètement les éliminer? C'est un esprit de peint. Oh, t'as métier. Non, mais c'est la vérité. Oh. Si ils ont peint, leur esprit est encore là. Jean-Roger n'est pas parti de lui-même. Non, il est parti parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais les deux autres sont partis de leur plein gré. C'est des pangosseurs, ils ont peint. Maintenant, comme eux, ils ont peint définitivement de leur propre chef, est-ce que leur esprit de penseur va rester? Chola, ils sont allés en voyage. 6 mois. Et non, je t'explique. Je t'explique et je pense que pour moi, ce sera la dernière fois de parler de. Jamais, c'est quand on a baisé les questions que nous, on te posait ici, Julie. Non, parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus. On s'amuse pas, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que Zouglou Makers vit. Zouglou Makers vivra. Zouglou Makers a sorti un single qui est mon dernier Wayo, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Okay. Zouglou Makers est en train de finir son album. Zouglou Makers va bientôt présenter son album aux fans. Mais ils sont plus 7. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais toujours 7 sur scène. On est toujours 7 sur scène, t'inquiète pas. Donc, l'album là va sortir, tu es sûr qu'on va voir 7 personnes, bon, mises à part Jean-Roger. Tu es sûr que Petit Marteau, qui casse gros cailloux. Tu es sûr que Club Saint-Étienne sera là. Tu sais, enfin, je t'explique. Hein? Je t'explique. Que ce soit avec Pierre ou avec Paul, Zouglou Makers existe. Zouglou Makers existera toujours. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Ça, on a bien compris. Donc, l'album va sortir. On va jouer, voilà. Qu'il soit là ou pas, vous allez jouer. Ouais, t'inquiète pas. Mais alors, aujourd'hui, avec les nouvelles sorties, les nouvelles influences, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le milieu Zouglou, il y a des nouvelles sorties, des tendances et tout ça. Vous n'avez pas un peu peur quand vous allez sortir? Peur? Parce que Billy, non? C'est vrai que tu as l'air vieux maintenant. Et quand tu sortais au tout début, tu étais frêle. Mais maintenant, on sent que là, elle est rentrée, tu vois, tu as la barbe, les joues. Est-ce que l'inspiration peut être la même? Tu as des nouveaux petits qui sont arrivés là. Non, vous savez quoi? Ce n'est pas une question de peur, on n'a jamais peur. Nous faisons ce qu'on sait faire de mieux. C'est on s'attelle à le faire, on s'attelle à bien le faire. D'accord. Et puis le reste, c'est Dieu qui décide. C'est ça. En tout cas, nous, on est contents pour vous. Ouais. Et puis, malheureusement, hein, Jean-Roger, qui était un excellent... C'est Fon qui va donner qu'on contacte. Seigneur, pardonne-moi. Jean-Roger, qui était un excellent chanteur, qui malheureusement n'est plus là. Mais j'ai confiance. Je sais que tu vas bien gérer le départ de Jean-Roger. Mon cœur ne va pas à ce niveau-là. Où mon cœur me fait un peu mal, c'est les deux qui ont peint. Oh. Là, ça, mais pourquoi tu veux forcément t'attarder là-dessus même? Non, mais pompons pas comme ça. Je vais te donner leur numéro, tu vas les appeler, tu vas les demander. Ça va beaucoup me plaît. Alors, sinon, comment ça s'est passé? On a vu un fameux hommage à Jean-Roger. Comment s'est passé l'hommage? Quel hommage? Pour les 1 an, là? Pour les 1 an, oui. Bonne année, Zouglou. On a vu hommage à Jean-Roger, base. Uh-huh. Bonne année, Zouglou. 1 an. Hommage à Jean-Roger. Qui a organisé ça, d'ailleurs? C'est le vieux père, Georges Aziz. Georges Aziz. Qui a organisé. Moi, j'y étais pas, mais pourquoi? J'ai vu les vidéos. Je pense que ça s'est bien passé. Mais pourquoi son épouse était là-bas, ses enfants étaient là-bas. Ou bien tu avais peint à ce moment? J'étais en déplacement. Ah, où ça? J'étais en déplacement. J'étais à l'intérieur du pays. À Divo? Non, je n'étais pas à Divo, j'étais à Soubré. Mais moi, ce n'est pas l'information que j'ai eue. C'est moi, l'information m'a dit que vous n'avez pas été informé au préalable du fait que vous deviez jouer à Bonne année Zouglou en hommage à Jean-Roger. C'est au dernier moment même qu'on vous a informé. Donc, ça n'a pas plu aux membres du groupe que vous avez décidé de ne pas venir. Non, tu sais, c'est faux. Voilà. D'autres même disent que vous avez demandé qu'à 2 millions de cachets. C'est faux. On n'a jamais demandé 2 millions de cachets pour aller jouer à base. On n'a jamais demandé. Ouais, les gens sont qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, je souhaite, moi, sérieusement, je ne souhaiterais pas m'attarder sur ce genre de choses. D'accord. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de faire la promotion de notre titre qui est sorti. Non, nous-mêmes, voilà. On va vous aider à faire des bases là. Le jour viendra. Voilà. Un jour, nous, Zouglou Makers, on va donner notre version des faits. Toi, tu veux faire comme voilà. Le Pacha et puis... Pour l'instant... Lui qui a nuque là. Voilà. On a énormément de respect pour le doyen Georges Aziz. On sait que le truc s'est très, 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 très bien passé. Mais vous n'avez pas demandé 2 millions. Hein. Non, on n'a jamais demandé 2 millions. Pourquoi est-ce que nous, on va demander 2 millions pour aller jouer en hommage à quelqu'un à une cérémonie
qui est organisé en hommage à notre, je sais pas, mais je à notre chef. Il y a beaucoup de secrets en ce moment sur vous. Hein. Vous êtes dans beaucoup de cachotteries parce qu'on ne comprend pas. Dites-nous ce qu'il en est réellement parce que, bon, aujourd'hui... Ce qu'il en est de quoi? Non, parce que tu sais... De ce que les gens disent. Les gens disent quoi? On sent c'est ça, t'as dit. Les gens disent beaucoup de choses. Oui, on sent. Mais est-ce que ça a été vérifié? Un peu ça a jamais été vérifié. C'est pour ça qu'on t'a invité pour que tu viennes nous dire que c'est bon. Oui, parce qu'on sent le groupe un peu fragilisé. Qu'est-ce qui se non, passe? Beaucoup. Est-ce que... Oui, pas beaucoup fragilisé. Beaucoup. Parce que... C'est deux ont déjà peint. Il y a un problème. Donc, vous ça veut dire que les deux les attendaient le décès de Jean-Roger pour s'évader, quoi. Tu peux leur demander, hein. Mais donne-moi leur numéro. Je donne leur numéro en antenne, là, pas de problème. Ah, bah voilà. Écoutez, Zouglou Makers, quand tu parles de fragilité, Zouglou Makers a juste été fragilisé par le décès de Jean-Roger. C'est qui est normal? Non, ça c'est clair. C'est qui est normal? Ça c'est hyper normal. Après ça, Zouglou Makers aujourd'hui, comme je t'ai dit, Zouglou Makers a observé les un an de deuil. Zouglou Makers revient en force avec un titre qui est déjà sorti, reviendra aussi en force avec l'album. Zouglou Makers est gonflé à bloc. L'esprit demeure. Voilà, l'esprit demeure. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc, les fans doivent s'attendre à quoi? Les fans, attendez-vous à un album qui vient pour tout casser. Waouh. Voilà. Non, moi, ça, je le dis au fond. Mais c'est ça, on a envie d'entendre. L'album qui arrive là, on vient tout casser. On vient gâter même, on vient Yagami. Mais si tu peux fredonner. Parce que pour moi, c'est un album. C'est pour nous, c'est un album plein d'émotions. Ouais. Mais tu peux fredonner. C'est un album plein d'émotions. C'est un album. Est-ce que tu veux nous fredonner un petit truc qui sonne? Un petit truc. Sur quoi? Sur l'album, un petit truc. Est-ce que tu veux nous fredonner un petit truc concernant l'album? Une petite mélodie. Oui, on veut ça. On veut goûter. Pourquoi tu veux faire ça? Mais on veut goûter pour moi. Tu vas venir au studio, tu vas écouter un peu. Oui, non, mais on est ici dans Fafa. Tu dis que ce qui va arriver là, ça va tout casser. Un petit acapella, hein, c'est bien. On veut écouter un petit acapella pour voir ce qui va casser. Sinon, on va chanter partie des gens qui ont peur là. On va chanter partie des gens qui ont peur là. Ambiance, roule, 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 camio. Ambiance, yéouma, oh, roule, 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 camio. Ambiance, Dali, Djedje, yode, oh, roule, 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 camio. Ambiance, osso, un pat sako, roule, 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 camio. Ambiance, Djedje, Luzo, roule, 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 camio. Ambiance, ambiance, roule, 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 camio. Chabalala. Oh, mais je laisse déjà casser. Non, c'est qui me plaît, lui, c'est que tu sais chanter. Non, c'est ça, en fait, la seule chose qu'on peut te reprocher. Je regrette. On ne peut pas dire que tu ne sais pas chanter. Quand ça, il a dit que tu n'es pas un préparateur, là, je regrette. Hein? Lui, c'est un chanteur. Ah, d'accord. Tu vas arrêter ça. Chola, j'espère que tout est clair dans ta tête. Hein. Tes questions bizarres, là, tu vas plus revenir avec. Non, ce n'est pas bien clair. Chola, il manque un peu. Quoi? C'est pas très clair comme ça aussi, parce que il manque quoi? Bon, Willy, toi-même, là, parlons de ta vie. De ma vie. Oui. Ah, mais bien. Il paraît que tu es un grand coureur de jupons. Il paraît. Non, faut laisser coureur. Il paraît. On dit que c'est un gentramini. Ouais. Oui. Oui, on dit Willy, son affaire de femme finit pas. C'est bien. En tout cas, j'aime pas garçon. C'est femme que j'aime. Bon, moi, tu sais pas, mais là, j'ai confirmé. Ah, ben, ça, pour moi, c'est diable. Bon. J'aime pas garçon, c'est femme que j'aime. Mais est-ce que nous, on a dit le contraire? On a fait le contraire. Mais pourquoi ton affaire de femme est trop comme ça? Parce que tout le monde dit que c'est excessif. On dit que tu es passé par. Tout. Tu es dans tous les couloirs, tous les... Dès que tu veux un mousseau, tu veux taper le mousseau. Lui, Willy, je veux que c'est d'aller passer par là. Moi. Non, faut arrêter ça, je n'aime pas ça. Arrête-moi ça. Non, c'est faux. Mais tu es marié, tu as des enfants? J'ai deux enfants. Ah. Marié? Non, je ne suis pas marié. Enfant, tu as fait qui? Il est fait une femme. Il n'est pas fait un garçon. Bon, mais comment ça s'est fait que tu as deux enfants, tu n'es pas marié, aujourd'hui, tu es dans la ligne? Est-ce que les deux enfants ont la même mère? Non. Déjà. C'est dangereux. Les deux enfants n'ont pas la même mère. Ouais. Et non seulement ça, de surcroît, tu es dans l'allée encore. Oui, il ne faut pas nous faire 4, 5, 6. Qu'est-ce que tu appelles dans l'allée? Mais tu n'es pas marié, tu es dans le couloir. On ne sait jamais. Non, j'ai deux enfants, mais je ne vais pas me limiter à deux enfants. Non. Bon, tu as les maisons des enfants. J'aspire. J'espère que tu n'as pas fait la polygamie quand même. Non. Bon, là, tu as quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un? Non, je ne vis pas avec quelqu'un. Ça veut dire que ton Djandjoua te plaît que tu ne veux pas vivre avec quelqu'un? Pourquoi? Merci. Pourquoi? Non, mais écoute, vous savez... Mais toi aussi, tu es gigolo, tu aimes les femmes qui t'entretiennent? Moi, jamais de la vie. Ah d'accord. Jamais de la vie. Vous savez, les histoires de cœur, c'est... Voilà, tu sais quelque chose, ça ne marche pas.
Mais si c'est ça, c'est que essayer là. Toi, on dirait que tu aimes beaucoup essayer aussi. Ouais, c'est comme ça, on dit non. Ne frappe pas de sa main. Voilà, parce que je lui dis, normalement, là, hein, cet esprit d'essai, là, c'est ça qui est l'esprit des framponnés avancés, là. C'est les gars de Mugupan, là. C'est eux qui me disent que non, eux, ont essayé. Tu sais, il t'explique. Il y a un temps pour tout. OK. Et Dieu a son plan. D'accord. Voilà. Si c'est le mariage que tu attends, t'inquiète pas, bientôt. Un jour, je vais me caser, là. C'est la phrase qu'elle a. Non, mais marié forcé. Moi, on ne te comprend pas. Tu sais, quand les gens parlent, on a des spéculations sur toi. Hein. On dit c'est des spéculations. Oui, mais c'est des spéculations. Ça se limite à ça. Ceux qui connaissent ma vie, ceux qui sont très proches de moi, me connaissent réellement. Tu comprends? D'accord. Et ils savent ce que je suis. Okay. Ils savent qui je suis. Ils savent ce que je vis. Ils savent comment je vis. Tu es Goumestinaire, actuellement. Voilà. Donc, moi, tu sais, je n'écoute pas tout ça. Là. Willy, actuellement, on dit, Goumen de quoi? On dit, il y a une go qui t'a donné Goumen qui parle là-bas ces derniers temps. Moi. Mais pourquoi pas toi? Vous avez toi, non, mais. Non, j'ai pas de Goumen. J'ai pas de Goumen. Tout va bien dans ta vie sentimentale? Oui, ça et va. Financièrement, ça va. L'argent de ce Goumen, que ça, tu as pu garder un peu. Seigneur. Chola, tu vas me tuer. Ces questions, elle a posé. Hein. Je vis, non. Je vis bien, t'inquiète pas. Parce que vous avez bouffé beaucoup d'argent dans ce pays, hein, vous les Goumakers là. Si tu n'as pas mis un peu de côté, c'est que vraiment, il ne serait pas capable de toi. Hein. C'est pour ça que Caillou est. Enfin. C'est pour ça que les deux ont pas. Parce que l'argent ne rentre plus. Elle dit quoi? L'argent ne rentre plus. Mais Willy, est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné de ta vie d'être gigolo? Non, jamais. Tu l'as su? Non. Si, si. Jamais été gigolo. Si, j'étais. Moi, t'as vu à des niendes, faut pas me faire parler. Non, sérieusement, j'ai déjà été gigolo. Voici ma niaï qui est là. Non, mais quoi pour entretenir quelqu'un? Tu te rappelles pas? Ah, toi aussi, faut arrêter ça. Bon, Willy, t'es pas comme casse le papa ici. Pas cassé. Hein? Toi, moi, sortait ensemble de 2015. De 2015 à 2017. C'est ça, c'est vrai. Hein? Tout ton petit boing-boing là, tu me donnais, non? Ouais, c'est lui qui m'a ruiné. Hein? Ah, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tes questions sont pertinentes comme ça. Alors, Willy, dreadlocks, le Death style. Palais. Ouais, le style, tes dreadlocks. Death Palais. Tu te drogues un peu souvent? Non. Blabla. Non, il est débattu. Pourquoi est-ce que vous pensez franchement que... Non. C'est une question. Non. Les dreadlocks, c'est juste... C'est un état d'esprit. Non, ça a juste une valeur très sentimentale pour moi. Ah, c'est une valeur sentimentale pour toi. Donc, raconte-nous alors. C'est quoi? Mais d'où tu viens? Pourquoi tu veux avoir des locks? Non, moi, mon père était reggae, man. Voilà. À l'image du père. Moi, mon père c'était un reggae, un ras, man. Donc, après le décès de mon père, en 2012, je décide de garder les locks pour... Donc tu as ça depuis le 17 novembre jusqu'à aujourd'hui. Ouais, donc je décide de garder les locks pour affirmer mon attachement quoi, à mon père. C'est vrai qu'il a ça depuis longtemps. Hein. Ouais. Voilà quoi. C'est devenu plus long. C'est pas une question de style, ça a une valeur très sentimentale. D'accord, c'est quelque chose que tu as fait pour marquer un temps. De ton papa. Ouais, on comprend mieux. Ouais, on comprend mieux, c'est fort. Et tant que mon père sera là dans mon cœur, je les aurai toujours. Ouais. Toujours, ok. Alors, Zouglou Makers, grand groupe, superbes albums, bien, beaucoup de fans. Aujourd'hui, vous devez ressortir. J'aimerais que tu adresses un message à tous les sympathisants de Zouglou Makers, ceux qui vous ont porté dans leur cœur, dans leur estime, des personnes que vous avez donné de l'espoir à travers votre musique, parce que vous en avez donné beaucoup, franchement. Et des titres que tu parles, de l'éternel et tout. Hein? Et tu vois, c'est vraiment fort. Et ces personnes, qu'est-ce que vous promettez prochainement, les nouvelles sorties? Déjà, je tenais à dire merci à tous ceux qui nous ont aimés et qui nous aiment encore. À tous ceux qui ont été bercés par notre musique. On l'a dit dans une de nos chansons, On s'envole, le combat continue et le chemin est encore long. Ils ont été là pour nous soutenir. On a encore besoin d'eux. Okay. C'est bien dit. Alors, Chola, notre émission tire à sa fin. Malheureusement, oui. Voilà, c'était un plaisir de recevoir. Pour nous, de titiller un peu Willy, c'est juste, voilà. Tu sais, je t'ai dit quelque chose. Pien-pien. C'est ton côté pien-pien, on voulait me sortir. Depuis là, tu es là. Non, mais je suis concentré. Ah, mais tu es très concentré. Non, on veut que tu sortes. Le malade a voulu nous frapper ici. Aïe. On a vu ça. Ça dépend de ce que vous lui avez dit. Ah, bon.
Alors, merci, 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 dame pourquoi de monsieur. Pourquoi toi, tu dis que moi, je suis gigolo? Je dis, je suis pas gigolo, toi, tu dis, je suis gigolo. Non, c'est toi, et t'es gigolo. C'est pas fini. C'est à toi, l'abdette. Alors, Willy, ouais. Merci d'être venu. C'était un plaisir pour nous de te recevoir. Ton mot de fin, qu'est-ce que tu voudrais que les téléspectateurs d'Ivoire TV retiennent de ton passage? Et puis surtout, si t'as des petits coucous à faire, hein, vas-y, te gêne pas. Je voudrais qu'ils sachent que The Blue Makers n'est pas mort. The Blue Makers continue. On a un album qui arrive très, très, très bientôt. Ouais. Et ça sera du lourd. Je voudrais profiter aussi de votre antenne pour remercier tous ceux qui nous soutiennent. Remercier Maman Awa Sissoko, Président Yapi, Marcel Brou, Marcel Alou et toute la grande famille Tagro. Sans oublier ceux que j'ai oubliés aussi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon courage pour la suite de votre carrière. Hein. Merci. Merci, dames et messieurs. Merci à tous ceux qui suivent le Fafa dans les quatre coins du monde, ceux qui partagent. Big up à la boutique, le bazar de Versailles, car c'était mon anniversaire la semaine dernière. Et M. Franck Kaka m'a offert ce beau polo depuis le bazar de Versailles. Alors, appréciez un peu. C'est pour les épicuriens. C'est une boutique d'épicuriens. Les personnes qui aiment les modèles et les bonnes choses, qu'on ne trouve des pièces rares. Bien sûr, le bazar de Versailles. Allez-y, Facebook, vous allez voir leur page. Monsieur Franck Kaka, big up à toi. Big up aussi à la grande famille Kangala, le berger. Sans oublier Ange Bleu, le cultivateur. Big up à la boutique chez Kra, les vêtements certifiés de luxe. Bien sûr, d'un autre niveau, d'un autre level. C'est bien sûr chez Kra, la boutique du côté de la 8e tranche avec des accessoires certifiés. Merci aussi à ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Merci à Franck Mian. Sans oublier Yacine Mian, la grande famille Mian. On est ensemble. Merci pour le soutien. Big up à tous et à toutes. Surtout, forte santé, couvert. Aboudia, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao. Et puis, merci à ma belle et grande commune de Diabo. Merci à Diva Glam Collection pour la tenue que j'arbore aujourd'hui. Merci à William Santiago Soko ainsi que Stéphane Aka. Voilà.